Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode numéro 27, je crois déjà, de notre Let's Play sur Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Il s'est encore passé plein de choses la dernière fois, et là on commence, je pense, à aller vers la fin du jeu, hein, puisqu'on est pas mal avancé en termes de niveau. Cela étant, je pense qu'on va surtout aller dans le dur. On galère beaucoup, enfin en ce moment je galère énormément, je pense qu'à mon avis je commence à avoir du mal à gérer le fait de devoir tout utiliser en même temps au niveau des combats, entre les prises de combat, les attaques frères et tout. Enfin, c'est un gameplay que, enfin les prises de combat du coup c'est nouveau, mais en fait je suis aperçu que c'était pas simple, j'avais beaucoup de mal à esquiver aussi les mobs hein, pendant les combats. Le dernier combat de boss était une horreur sans nom. Heureusement le jeu est pas cruel à ce niveau là. Donc là ce qu'il va falloir faire c'est qu'on doit retourner du coup à Moite-Moite, hein, la fameuse île où on avait vu entrevu Bowser Jr. Donc voilà, il va falloir revenir parce qu'apparemment Luigi va s'amuser à se déguiser. Déguisez-vous à Moite-Moite, voilà, et trouvez la voie vers Terra Isolia. Oui, parce qu'on a, il y avait un an de bonbon pour retirer le fléum des gens. Donc le fléum, c'est une énergie négative qui transforme les gens, leur personnalité tout du moins. Bon, ça, je sais pas si ça en était au max, dans le doute, ouais. On sauvegarde aussi à sait-on jamais. Par contre, je sais pas si je suis à bon niveau, là. Aventure niveau 29, si je suis tout juste bon. Alors il faut regarder la carte pour savoir où aller. Alors pour l'instant ça me l'indique pas, donc on va avancer puis on va voir ce qui se déclenche. Ah, médaille en or, d'accord. C'était pas ici. Évidemment, je suis attaqué. Alors lui... Oh putain, il y a les Goombas en plus. Ah mais quand ils franquent comme ça, les Goombas, c'est chiant. Alors on va évidemment prendre une attaque frère. Alors Chrono, vous savez, c'était des nouveaux items. Qui est le plus proche de l'ennemi? Pour Mario, utilisez A. Pour Luigi, B. Puis terminer avec X. Cible tous les ennemis. Alors est-ce qu'on risque pas de se prendre une... Parce que le pilier, on peut pas l'attaquer avec des sauts, donc si c'est pour sauter sur l'ennemi au final. Bon, on va utiliser les bombes pour cette fois. On va virer les pas qui sont devant. Il y en a deux qui sont morts. Oh, le pilier a pris beaucoup de dégâts. Alors, faut voir combien il a pris de dégâts. Molar, il a. Alors, baril flotteur, ça c'est quoi? Appuyez sur A si Mario s'est caché dans le baril, et sur B si c'est Luigi. Appuyez sur X. Bon, ça pareil, j'ai pas envie de me faire avoir. À cause du pilier, on sait jamais. De toute façon, ça économise des points, frère, parce que ça c'est très gourmand. Ok, donc les deux sont morts, lui il a pris des dégâts aussi. Alors attention. Oh! Ah oui, il m'a heal pour une fois. Est-ce qu'on remet une attaque frère? Allez, ça vaut le coup. J'ai pas envie de prendre des dégâts d'une manière ou d'une autre. Parce que je prenais des dégâts trop faciles jusque-là.
podcast hier soir, j'ai eu un bug avec OBS que j'ai absolument pas compris. Ça a complètement interrompu l'enregistrement. J'ai dû moi tout redémarrer, tout de mon côté, c'était casqué. On approche du niveau 30. Et du coup, le niveau 29, c'était une étape, puisque c'était un rang qu'on avait atteint, le rang feuille. Et il restait, je crois, que le rang étoile. Je sais pas s'il y en a d'autres après. Bah, en tout cas, dans ce qu'on pouvait avoir en plus, là, les petits trucs bonus. Alors, on a du Goomba. Où est-ce qu'ils vont? Ah. Ok. Alors, au niveau des prises de combat, alors on en a que 3. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On a boule acier. On a attaque étourdissante. Alors, auto-excellent, c'est plutôt pour les boss, ça, auto-excellent. Alors, parade avantageuse, pourquoi pas? Ouais, ça, si ça peut être pas mal. Alors, bon. On va mettre des bombes. C'est plus simple. Ah oui, ça on peut en faire quelque chose maintenant. Si c'est obligatoire. Ah oui, on devait se déguiser sur la place parce que c'est là où il y avait tout le monde. Déguisement à la con, franchement. Dans Superstar Saga, le déguisement pour Luigi n'avait pas fonctionné. Hein. Pas certain que ça fonctionne plus maintenant.
Lui, les salopettes, c'est cramé avec Bowser. Je sais pas pourquoi ils sont déguisés. En fait. Secret. Tu vois tous les îlots sous notre contrôle. Il y en a un avec trois arbres dessus. Eh bien, il y a un tout petit interrupteur à côté. Appuie dessus pour voir. Un îlot avec trois arbres. Ah. Alors ça nous donne Il a retiré son masque pour boire. Oh, non.
Ah bah tiens. Faire attention. Yeah.
Ouf. Mamma mia. Tu peux rien faire. Il se tourne au dernier moment. Voilà. C'est trop dur. Ah, faut bien anticiper. Hein. Oh, attends. Oh merde, c'est pas ce que je voulais faire. J'avais une technique et j'arrivais pas à m'en servir. Merde. On recommence. Attends, attends, attends. J'utilise ma télé. Mais j'ai pas le temps! Une seconde! Je voulais juste rester devant. Juste devant. Voilà. Ça. Ensuite. C'est traître hein, des fois hein, parce que t'as l'impression qu'il tourne à ton avantage et parfois c'est absolument pas le cas. Ah, ils sont trop forts! J'arrive vraiment pas. Hein. C'est une véritable galère. Alors attends. Oh la vache! Oh mais comment tu fais là? Ah!
Attends, faut juste trouver la bonne direction. Ouh. Ah là, tu peux rien faire. Ok. Parce que c'est compliqué. Ouh là là. Là, je pense que ça va bouger le tuyau, voilà. Ensuite. Ah, pourquoi c'est censé m'aider? Ah, d'accord. Ah oui. Ok. Donc, faut qu'il passe pour que je puisse activer le bouton. Ah oui, c'est le but de la manœuvre. Attention, si on risque pas de se prendre un traquenard en sortant. Déjà, il y a du mob. Donc là, on fait pas la connerie, on sort. Il vaut mieux partir. On n'insiste pas sur les soins parce que si on en perd et qu'on se tape un boss derrière, on va avoir de gros problèmes. Je préfère tout autant revenir pour farmer. Sinon, c'est vraiment dangereux. Donc on dégage d'ici. Là, on peut pas y couper. Oh,
Ça, c'est dur. Quelqu'un mort. Oh. C'est pas surprise. Allez, on continue. Ils meurent les uns après les autres. Oh, yeah. Et lui va se battre. Ah, bon. Oh, yeah. Voilà, t'aurais vraiment dû être un pitot de temps. C'est pas pour ça que les bombes à la propre au niveau 30 pour Luigi. Mario suivra bientôt la cadence, au niveau 36 c'est la couleur étoile, c'est tous les 7 niveaux en fait. Les 7 ou les 7 niveaux hein. Je crois que c'était en 8 au début. Sur le Davis. Bon, c'est un des îlots qui n'a rien à voir avec, avec ce qu'on a vu, avec les principales îles. Cela. Alors on va reprendre niveau 31. Ah, pour une fois on manque de niveau. On récupère
avec le temps. C'est pas grave. Je ferai les prochains mobs qu'on rencontrera. Peut-être qu'à niveau pièce on n'est pas incroyable hein. C'est quoi les marteaux? Le marteau de Luigi, il faut le marteau de célébrité. Les habits de célébrité et les bottes de célébrité. On va voir ça. Bon, j'achèterai pas tout l'équipement. Alors, tête de célébrité, il y a déjà. On n'a pas assez de pièces. Marteau de célébrité. Habit de célébrité, je peux en prendre un. On va le mettre à marteau. Ça vous fait dépenser. Récupérer des Staticatera Isolia. Côté là on voit un truc à côté ici. Alors c'est forcément dans la mer où nous sommes. Bah oui, je vois pas pourquoi il nous emmène ailleurs. Et si fort vu. La fusée. Ouais, sympa. Donc c'est un récif, c'est pas une île. On va aller ici. Ah là aussi. Et il y a le milieu, bon là on a déjà cet îlot, il y a cette partie du courant mais là j'ai... Bon c'est pas censé l'indiquer hein, normalement. Oh il y a ça. Ça ça a l'air d'être un récif. Hein. Ça a l'air d'être une île. Il y a ça aussi. Sauf que là le courant n'est pas rétabli donc c'est pas ici. Ah, une dérivante. C'est l'îlot de poche. On tente ? Allez. Il y a un tuyau sur une autre île qui mène de l'autre côté. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que c'est en rapport avec ça? Bah, il y a des marques de Bowser. Donc... Ah, bah, c'est lui qui a pris les bonbons. Donc, je pense que c'est à lui parce que Terra Isolia directement. Je sais pas. Bon, pour l'instant, on peut pas faire grand chose ici. Donc, on va continuer de passer là. Hein. Ah! Vite. Allez. Il est magnifique. Il n'y a pas d'arme dessus. On va checker dans le doute.
Il y a encore les marques de Bowser. Hein. Il devrait y avoir un îlot avec trois arbres et un interrupteur. Bon, on va regarder. Elle est proche de... Ah, il y a un tuyau ici. Bah tiens. Mais non, mais c'est pas un interrupteur, je suis bête. Et donc voilà, ah, voilà. Donc du coup, j'avais un peu... Bon, on va le faire, le mob, parce qu'il nous faut de l'XP. Punaise. Il y a toujours autant de mobs. J'aurais dû racheter des sirops. Après, il y a aussi les bonbons. Ça, c'est ce genre. Oh, yeah. Ouais, ça, on a gagné. Oh, yeah. Mario, on veut 3, évidemment. Ici. On va se faire ça également. 107. Ouais, ils sont niveau 31 les mobs. On va bel et bien faire. Je réutiliserai aussi des prises de combat s'il faut. Et du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette fois-ci. On reprendra la prochaine fois du coup dans cet endroit ou peut-être un autre. Nous verrons bien. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt pour la suite.